C'est Massimo. Aujourd'hui, je fais cette musique. Car je suis contre l'intimidation d'une personne. Je suis contre le harcèlement. Dans cette musique, il y a trois histoires. Trois femmes harcelées. Je vais vous les raconter. Cela fait trois mois maintenant qu'elle se lève avec la boule au ventre d'aller au collège. Elle a à peine 13 ans et déjà victime du harcèlement. À peine passé le portail, tout le monde la dévisage. Elle reçoit des insultes, des menaces par message, des crachats sur le visage. Il se défoule sur elle, c'est le souffre-douleur de ses camarades. Elle est seule dans la cour sous le préau. Elle pense au pire à rejoindre le Très-Haut. Elle en parle à personne, quand elle rentre, elle s'isole. Elle pleure en s'asseyant sur le sol. Elle pense à partir loin, y'a que ça qui la console. Elle pense à tout, elle pense à rien. Elle veut quitter ce monde fou, personne sait si elle sera là demain. Elle pense à tout, elle pense à rien. Elle veut quitter ce monde fou, personne sait si elle sera là demain. Après plusieurs mois de bonheur, il lui a brisé le cœur. Une relation idyllique, mais tout s'est arrêté un soir après quelques clics. Une belle histoire qu'elle pensait éternelle. Des photos d'elle postées par un homme cruel qui avait juré de ne jamais les dévoiler. Elle y a cru, elle aimait, elle appuie sur envoyer. On lui a volé son corps et sa réputation. Elle qui avait confiance en toutes ses intentions. Aujourd'hui elle ne rit plus et son rire s'est perdu. Elle encaisse les insultes et les remarques. Alors qu'avant elle rêvait que cet homme la remarque. La solitude l'a brisée après l'école. Elle s'enferme dans cette pièce aussi noire que ses idées. Elle mange à peine, appelle à l'aide. Elle sait plus rire et son espoir elle a perdu en même temps que son sourire. Connexion sur les réseaux, spectatrice de son fléau. Elle pensait voir le monde de plus beau, mais au final c'est le chaos. Hypnotisée par son écran, elle rêvait de temps en temps. Virtuelle réalité l'a fait couler, l'a fait tomber. Pensant trouver du réconfort, sortir de ce tunnel sans fin. Elle écrit peut-être ce soir les dernières lignes de son bouquin. Elle pense à tout, elle pense à rien. Elle veut quitter ce monde fou, personne sait si elle sera là demain. Elle pense à tout, elle pense à rien. Elle veut quitter ce monde fou, personne sait si elle sera là demain. Nouveau job, nouvelle vie, nouveau départ dans la ville de ses rêves. Elle a quitté sa famille sans hésiter, elle part loin. Au début tout est beau, tout semble simple. Cet endroit qui l'émerveille, tout se complique. Un jour quand il pose sa main sur elle, elle ne sait pas comment agir. Elle se dit que ça arrive, que c'est normal. Mais elle a mal car chaque jour se produit ce genre d'acte inacceptable. Mais elle veut pas tout foutre en l'air, ruiner sa carrière. Alors elle laisse, elle encaisse et elle se tait. Un jour elle le dira, ça c'est certain, elle le sait. Mais le temps a passé, son cauchemar a grandi. Son rêve s'effondre à cause d'un pervers qu'elle voudrait voir dans une tombe. Elle a décidé d'agir avant qu'elle ne sombre. Un soir seul avec lui, une nouvelle fois se reproduit. Encore une fois la haine lui donne la force de le pousser. Il réagit d'un coup violent, trop mal placé. Ce soir pour la dernière fois il a touché. Elle pense à tout, elle pense à rien. Elle veut quitter ce monde fou, personne sait si elle sera là demain. Elle pense à tout, elle pense à rien. Elle veut quitter ce monde fou, personne sait si elle sera là demain.
Merci à tous d'avoir regardé le clip. Et surtout, j'espère que le message est passé, car chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui se font harceler, que ce soit dans les écoles, sur les réseaux ou au travail. Donc vraiment, j'espère que le message est passé. N'hésitez pas vraiment à le faire partager à tout le monde pour que tout le monde comprenne qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper cette connerie. Merci à mon frère qui a coécrit le titre avec moi, ce titre très très touchant, qui m'a permis, de le faire et de vous l'envoyer. Voilà, n'hésitez pas à partager un maximum. Merci à tous et abonnez-vous. Tu voulais une femme pas compliquée, je t'ai donné ma vie, t'as déconné. Tu voulais un mec pas compliqué, je t'ai donné ma vie, t'as déconné. Et tu le sais, et tu le sais, fais pas celui qui veut me récupérer. Et tu le sais, fais pas la meuf qui veut me récupérer.